Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. 10e épisode déjà de notre survie modée en 1.19, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous êtes en forme. Moi je suis très très bien, je suis dans un endroit un petit peu mignon, un petit peu coquin, un petit peu je ne sais pas quoi. Vous vous demandez où c'est que je suis, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Je suis à 400 mètres de la base, il fait visiblement nuit donc je vais dormir. En fait je suis parti comme convenu farmer en off du miel, donc ça y est, d'ailleurs j'ai tout ce qu'il faut, 21 rayons de miel. J'ai d'ailleurs récupéré beaucoup de bûches de chêne noir juste ici puisque j'ai fait un petit peu de déforestation. Et je vous remercie énormément pour vos conseils avec justement, je peux encore récupérer. Yes, donc là regardez, hop, ce que je fais c'est que je monte, hop, tac. Et là comme ça, j'ai juste à localiser le truc de miel. Je sais pas où il est, attendez parce que normalement j'enlève la vue. Où c'est qu'il est passé le machin? Attendez, j'ai perdu un rayon de miel. Qu'est-ce que c'est que c'était? Ah, voilà, je l'ai récupéré, donc 24 rayons de miel, voilà. Donc merci voilà pour votre astuce avec le briquet, avec le feu de camp. Je suis juste à côté du manoir, donc je suis pas du tout en zone safe. Mais donc je me suis improvisé une zone safe. Donc voilà les amis, pour commencer ce 10e épisode. Ça fait peur, hein. D'ailleurs on terminera l'exploration du manoir un jour, vous inquiétez pas. On ira tout en haut parce que je suis quand même assez curieux de voir ce qui nous attend. Hop, on va se barrer, j'ai fait une petite déforestation comme vous pouvez le constater. Bref, donc là voilà, on va rentrer tranquillement. Oh là! Ok, d'accord. Il y a des creepers, il y a des zombies, il y a des rennes. Il se passe beaucoup de choses, me fais pas de mal, je suis gentil. Oh là là, ça fait peur, dès le début. Hein? Ouais, c'est mignon, on a déjà vu ça, je m'en souviens. Bref, on va rentrer à la base, je vous retrouve dès qu'on y est. A tout de suite. Eh, c'est que du bonheur, hein. Regardez, appelez-moi Usain Bolt. Je suis Usain Bolt, voilà, je cours tellement vite. C'est incroyable. Bonjour les moutons. Alors j'ai fait aussi autre chose en off, j'ai rapatrié des moutons. Voilà, pour faire un petit enclos à moutons. Le pont, j'ai pas touché. Voilà, donc les moutons qui sont ici, les moutes-moutes. Avec du coup de quoi se faire de la laine et plein de lits. D'ailleurs, tant qu'on y est, est-ce qu'il me reste bien sûr du blé? Comme ça, on fait tout de suite de la reproduction. Oh putain, je l'ai déjà fait. Oh, fais chier. Les vaches non plus, je peux pas les faire reproduire. Je suis dégoûté. Ah là, je suis dégoûté. Mais ouais, vu qu'on n'est pas sur les mêmes chunks, et ben du coup ici il n'y a rien qui a bougé. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est horrible. Bref, de retour à la maison les amis. Merci beaucoup du coup pour vos commentaires évidemment. Ça m'a fait très plaisir. Le commentaire du jour d'ailleurs c'est celui de Omix. Très bonne vidéo et tu t'es vraiment amélioré en build. Et ben merci Omix, ça fait plaisir. J'aime quand on me vante comme ça. Forcément, ça fait plaisir. Bon, le livre des abonnés, je vais de ce pas le modifier puisque du coup ça fait un petit moment. Il est où le livre des abonnés? Il est en bas. Ça fait un petit moment que je l'ai pas touché. Hop, donc je vais écrire vos citations et je vous le montre dans 2 minutes. Et voilà les amis, regardez, on va s'asseoir sur la chaise. Non, on va s'asseoir, voilà, sur la chaise. On est plutôt pas mal et on va lire rapidement le livre des abonnés, c'est très rapide. On a Jetmax avec cette citation magnifique. Il y a la bonne façon de faire, la mauvaise façon de faire et il y a la façon d'Emcolo. Et alors du coup la façon d'Emcolo, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise? Très bonne question. On a, tac tac tac, ici ça n'a pas bougé. On a, alors j'ai rajouté le fou du mobile, parce que j'ai bien kiffé d'ailleurs la citation. Vouloir prouver votre valeur peut vous la faire perdre. Voilà, je ne sais absolument pas si c'était une citation qu'il voulait que je mette ou si c'était un message envers moi, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça stylé. Voilà, donc je le mets. Et puis on a Iman Mitar qui s'est ajouté dans le livre des abonnés. Alors les amis, si parmi vous, vous aviez déjà donné une citation, je pense notamment à O98OLB, etc., vraiment, n'hésitez pas à les remettre en commentaire si jamais vous n'avez pas votre citation. Parce que moi, entre-temps, je tourne les épisodes et après, je reviens pas en arrière parce que sinon, c'est la galère si je devais revoir tous les commentaires. Donc c'est terrible. Donc vraiment, faut rester à jour. Donc si vous n'avez pas votre citation du jour, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, comme ça je pourrais la voir et la mettre avant que je tourne l'épisode suivant, tout simplement. Voilà, parce que vraiment sinon c'est trop compliqué les gars, j'enchaîne, donc voilà. Et ben voilà, du coup ce qu'on va faire les amis, on va construire le portail de l'Eden, mais aujourd'hui on va dans le Nether comme convenu dans les commentaires. En majorité vous vouliez qu'on aille dans le Nether d'ailleurs, pour ainsi dire. Je crois que j'ai vu aucun commentaire disant bah, d'aller dans l'Eden. Donc je crois que tout le monde s'en fiche de la nouvelle dimension, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Mais on aura l'occasion d'y aller, vous inquiétez pas. Donc on va déjà faire le portail. Et une fois qu'on a fait le portail, on ira dans le Nether. J'ai relativement peur. Voilà, évidemment j'enlèverai ces bottes qui sont un petit peu dangereuses. Du coup, il nous faut ces 12 escaliers en cuivre taillé ciré. Attendez, pour le moment je vais laisser ça là. Et il faut que je transforme ça en cuivre taillé ciré. Et pour ça j'ai ce qu'il faut, on est bien d'accord.
cuivre, taillé, ciré. Il m'en faut 12 au total. Là, j'en ai fait 11 et là, j'en ai 12. Donc là, j'ai ce qu'il faut, plus bloc d'or. Ok, on devrait... J'espère on devrait être bon. Ce qu'on va faire, on va faire de la place. Parce que, à moins que le portail en fasse à l'extérieur, ce qui peut être une bonne chose. Attendez, parce que moi, je pense vraiment à rien, les gars. Je suis désolé, je suis un petit peu tête en l'air, c'est dimanche, il fait chaud. Prenez à boire et à manger, bien évidemment. Alors, je prends tout ça. Voilà, et là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais même plus comment on doit crafter le portail, mais ça va me revenir, ne vous inquiétez pas. Au pire, je recherche sur internet. Où c'est qu'on pourrait faire le portail? Déjà, moi, le portail... Écoutez, je le verrais bien pas ici. Hein? Non, je le verrais bien. Il faut que ce soit un endroit plat et assez... Bah voilà. Il suffisait de demander un endroit plat. Là, c'est assez grand. Alors là, forcément, l'herbe va repousser. Donc, on va se dépêcher. Un petit peu terrible. Alors, Internet. Ok, du coup, j'ai Internet à côté de moi. Alors, ce qu'il faut faire, il faut mettre un bloc d'or au milieu du portail. Le milieu du portail, il va être ici. Ok, ensuite, il faut les blocs de cuivre taillé, ciré. Il faut placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y en a un cochon, un mouton d'ailleurs, qui est le pauvre. Donc là, j'en ai placé, il m'en reste plus que 4. Ce qui n'est pas normal. Si c'est normal, il faut les mettre sur les extrémités, comme ceci. Ok, on a le bloc d'or. Ensuite, il suffit de placer les escaliers 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et les trois derniers jusque-là. Tout va bien. L'améthyste. On met les blocs d'améthyste sur les extrémités. Et il faut mettre les éclats d'améthyste dessus. Sauf que ça ne fonctionne pas. Éclats d'améthyste. Et là, on va avoir un problème. Est-ce que... Ah là là. Les améthystes clusters en anglais. Améthyste cluster, c'est bel et bien des éclats d'améthyste. Alors, là le problème c'est que s'il faut les récupérer avec justement Silk Touch, l'enchantement Silk Touch n'existe plus. Hein. Alors soit ça va apparaître tout seul, ce qui m'étonnerait. Oh là là, c'est abusé. Le problème avec le mode des enchantements, c'est que ça fout tout en l'air. Comment on va pouvoir mettre les éclats d'améthyste peut-être en les... Non, pas du tout, je cherche des trucs, hein, mais... Eh, attendez, tu sais quoi? En vrai, qui ne tente rien à rien? Ce que papa-maman m'a toujours dit. Donc regardez, hop. Et pourquoi pas? En vrai, ça aurait pu marcher. Mais si! Et attendez, il faut mettre un coup de briquet. Un coup de briquet, ils ont dit, au milieu. Voilà, bah il fallait essayer, hein. Il fallait essayer. Bon, en effet, c'est un peu problématique. Si je fais du briquet sur l'améthyste, ça ne change rien. Je me doute bien, mais on sait jamais. Éclat d'améthyste, on peut pas fabriquer avec... Ils nous disent pas comment crafter, puisqu'on peut pas le crafter. Ah, y a coup dur. Bon, ça, j'ai plus besoin, du coup, j'enlève. On va pouvoir crafter longue vue aussi. Petite parenthèse. Bon, alors là, les gars, si vous avez une solution, je suis preneur. Alors, le mode s'appelle Eden Ring, donc... qui permet d'accéder à la dimension de l'Eden. Donc voilà, le mode c'est Eden Ring. De toute façon, le mode pack est en description, les gars, n'oubliez pas. Donc si jamais il y en a qui peuvent m'aider, je suis totalement preneur. Comment faire pour les éclats d'améthyste? En tout cas, ce qui en anglais se dit améthyste clusters, ça se trouve c'est pas du tout la même chose. En gros, il faut que je puisse les placer sur les 4 blocs d'améthyste. Bon, très bonne question. Je vous laisse me dire en commentaire. Je vais essayer de me renseigner de mon côté, évidemment. Mais... ça me fait bien chier. Voilà, je vais pas vous mentir, ça me fait bien chier. Est-ce que les moutons peuvent faire l'amour ou pas? Parce que vraiment, moi, j'aimerais vraiment beaucoup de laine, en fait. Ah, voilà. Bon, les vaches, on va en profiter aussi. Voilà. Faites l'amour. Et je vais te faire l'amour. Et on va récupérer la laine, qui ne suffira pas, évidemment. Mais c'est déjà ça. Et oui, puisqu'on peut pas faire de lit si c'est pas la même laine. Et ça, c'est bien dommage. Bon, ma foi. Je vais remettre la cisaille ici. Bon, c'est un petit peu le bordel dans les coffres. On s'en fiche. Bon, je prépare un petit stuff. Parce que là, du coup, je suis pas ouf de malade. Bon, ce sera pas non plus mieux. Mais je prépare un petit stuff et je vous retrouve. Et on part dans le Nether pour l'explorer, les gars. C'est parti, let's go. N'oubliez pas le pouce bleu. Le petit défi du jour, évidemment, je ne vais pas en faire puisqu'on est dans le Nether et que vous ne m'avez pas proposé en rapport avec le Nether. Mais en tout cas, voilà. Toujours garder un briquet sur soi. Le seau d'eau, il sert à rien, mais on sait jamais. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à proposer des défis pour les prochains épisodes. Et puis d'ici là, on va essayer de pas mourir.
Allez les amis, normalement j'ai tout ce qu'il me faut. Dans le doute j'ai quand même pris une hache, on sait jamais. J'ai pu me faire des petites bottes en diamant. Pas assez pour me refaire un casque. Dans tous les cas, l'enchantement qui est sur ce casque est relativement bien. Donc ça c'est vraiment cool. D'ailleurs du coup, est-ce que vite fait avant de partir, je sais je vais vous saouler. Alors dans tous les cas je vais prendre des blocs sur moi. Voilà des petits blocs de cobble par-ci par-là. On en aura évidemment beaucoup besoin. Est-ce que voilà j'ai dû un petit peu du lapis. J'en avais pris quand même sur moi au cas où, je viens de remarquer. Est-ce que je peux faire des petits enchantements? Voyons voir par exemple là. Accélération évidemment non puisque c'est trop dangereux. Landing will bounce you back up at a speed proportional to your fall speed while not make. Alors ça c'est un also negate fall damage. Déjà ça enlève les dommages quand tu sautes et en plus de ça tu gardes la vitesse proportionnelle à ta chute. D'accord, donc ça veut dire que si tu sautes de très haut tu courras très vite je pense. Ça c'est pour sauter deux fois dans le, ça on connaît aussi c'est nul. Et on peut pas faire autre chose. Alors, soit je tente l'enchantement au risque. Donc là, en fait, on connaît accélération, on connaît Gale, mais on connaît pas Bouncy. Donc soit j'essaye cet enchantement au risque de gâcher les bottes parce que l'enchantement est nul. Ou soit je fais rien. Clairement, je fais rien. Voilà, je vais préférer ne pas sacrifier parce qu'après, on a l'air con. Mais par contre, on pourra réessayer à notre tour. Pour ce qui est des jambières, on a Dash. You are looking. Voilà, ça c'est le truc en l'air, je ne veux pas. Impact. Sneaking in the air will cause you to fall down ground. Et slide, c'est pour glisser. Bon, bref, hey, j'ai bien compris, les gars. Je crois qu'on n'a rien à tirer de ces enchantements. Je pense que je vais faire un sondage, les gars. Est-ce qu'on enlève le mode ou pas, quoi. C'est embêtant, mais bon. Bref. J'ai pris des lits sur moi. J'en ai que deux, malheureusement, du coup. Mais voilà, ça va permettre de faire des explosions si jamais on peut trouver un petit peu de quoi miner. Comment on appelle de nouveau, là, la netherite. C'est toujours sympa. Allez, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Attendez, bougez pas, parce que regardez, les pommes en or, on sait jamais. Hein? On sait jamais, les pommes en or, ça peut toujours être pas mal, hein. Je regarde encore vite fait si je peux pas emmener un petit truc tant qu'on y est. Eh, on est là pour ça aussi. Bon, j'ai rien d'autre à amener. Allez, c'est parti, j'ai un briquet sur moi au cas où. Let's go. Ah oui, faut pas oublier que je suis sécurisé là, de toute façon, j'avais oublié. Voilà, je suis sécurisé. Hop. Excusez-moi, j'ai cru que ça n'enregistrait pas, j'avais eu un petit peu peur. J'aurais pu me faire une porte, putain, j'aurais pu prendre du bois. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va sortir par là. Alors. En fait, vous voulez me voir me chier dessus. Lui, il est gentil, hein. Non. Il faut que je porte une armure en or. Non, attendez les gars, je suis débile. J'ai complètement oublié le principe du Nether. J'ai complètement oublié le principe du Nether. Parce que, oui, le piglin là que vous avez vu, il va forcément m'attaquer. Puisque... je n'ai pas d'armure en or. Alors, là où j'ai un avantage, c'est que normalement l'or, voilà. Bah du coup on va se faire. Ah mince, du coup je me suis fait des bottes. Bah c'est pas grave, on va se faire des bottes en or. Voilà. Comme ça là au moins je suis sûr qu'on m'attaquera pas. Bah oui, c'est quand même beaucoup plus intelligent. Et puis j'en profite si j'ai du bois, là j'ai du bois. Ouais. Ah putain, bon les gars. Vous allez me détester, les épisodes sont très longs, j'en suis navré. J'espère que vous passez eh bien, du bon temps avec moi. Parce que là, vous n'avez pas le choix de me supporter. Hein. Hop, voilà. Juste de quoi se faire une porte. Voilà, j'ai ce qu'il faut, regardez. Hop, table de craft, bam, je fais la porte. Porte en cocotier, oh, c'est mignon ça. Eh, ça rajoute du baume au cœur finalement dans l'enfer. L'enfer qu'est le Nether. Bon, allez, on y va maintenant, on a tout ce qu'il faut. Hop, je mets ça ici, rien à foutre. Les blocs sur moi. Et là normalement on ne devrait pas être trop mal. Je garde de... vous savez quoi, je garde l'or sur moi. Ça me permettra de faire du troc. Eh, on est là pour ça aussi. Bon, j'aurais pu en prendre plus. Mais je crois que niveau or j'ai pas non plus énormément. Voilà, là au moins je suis safe au niveau des piglins. Si je casse pas leur or, ils devraient pas m'embêter. Ce qui est pas trop mal. Alors, encore une fois vous allez me détester. Un petit waypoint évidemment pour dire que c'est le portail ici, hein. Et puis comme je suis perfectionniste, on va partir sur du violet. Et voilà. Comme ça, on se perdra jamais. Je l'espère. Alors, on a des biomes, évidemment. Spectaculaires. On a des magma cubes très bizarres. C'est pas du tout un magma cube. Ça, c'est un truc qui va me niquer la gueule. Waouh. J'ai très, très peur. Bon. De toute façon, il faut y aller. Hein. Quand faut y aller, faut y aller. Je me fais un peu de place. Bon, lui, il est pas censé me faire peur. Si je fais pas de bêtises. Ok. Alors il y a des nouveaux minerais. On dirait du lapis. Du lapis du Nether. Eh tiens frérot, de l'or. Ah mais non, lui il fait pas de troc. Ok.
Bon. On va mettre des torches par-ci par-là, même si ça n'éclaire pas du tout. Évidemment, j'ai enlevé les shaders. Pour des raisons. Alors, il y a de la glowstone. Il y a des lianes. J'ai envie d'aller voir ce nouveau minerai là-haut, là. Le minerai bleu, ça m'intrigue. Oh là. Oh. Il y a de la structure, évidemment. Eh oui, eh oui. Bon, on va monter. On va essayer de monter. On y croit. Oh, punaise. Ça, tu me refais pas une deuxième fois, hein. Allez, le temps que tout, tout se génère. Compliqué, compliqué. A noter que mon PC sera plus performant dans quelques temps. Je peux pas encore vous dire pourquoi. Je suis très heureux. Je sais pas si ça va changer un petit peu les problèmes que j'ai sur Minecraft. Parce que ça reste un modpack assez gourmand. Mais voilà, mon PC, sachez qu'il sera beaucoup plus performant dans les prochains temps. Et évidemment, je vous expliquerai pourquoi. La personne concernée aura évidemment le mérite en tout cas. Bon bref, j'en dis trop mais bon. Allez, voyons voir ce que c'est que ce minerai. Je change. Et c'est bel et bien du lapis en plus. C'est vraiment du lapis. Alors du lapis en minuscule. Donc c'est nul. Bon, c'est toujours bien à savoir. Voilà, bon, ma foi. Alors, ceci étant fait, on a des éléments de déco là. On a des éléments de déco. Lumbucide, je peux rien crafter avec. Et ça, glowstone peel, je peux faire de la glowstone avec. Ah, donc en récupérant ça finalement. Ah mais il faut casser le bout en fait. Il faut casser le bout. Ok. Ce serait vraiment dommage de mourir à cause d'un rollback. Sachez-le, j'aurai le seum. À tout moment je casse de l'herbe et c'est un piège, hein, faut faire attention. Bon, donc la glowstone c'est bien. Ça, ça sert à rien vraiment. Ok. Survives on Netherground. Il y a des bruits étranges. Je sais pas si je vais dans une bonne direction. Écoutez. Moi je me promène, hein. Je suis un touriste. Bon, ça c'est un biome qu'on connaît, qui existe dans le Nether, mais qui a été évidemment modifié. C'est beau, hein. C'est beau. C'est beau, mais bordel. Prenons de la hauteur. Moi, je sais que je suis à l'aise en hauteur. Faut pas oublier que j'ai un arc sur moi. Bonjour, gentil. C'est mignon, ça. C'est quoi? Mushroom stem. Ça permet de faire des planches de mushroom, donc de champignons. Très bien. Si je casse ça, je récupère même avec une pioche en or. Ça, c'est bon à savoir. Parce qu'avec la pioche en or, on peut pas tout récupérer, comme vous le savez. Je me suis déjà fait bien arnaquer avec le diamant. Mais le quartz se récupère. Donc écoutez, tant qu'on y est, ça va nous permettre évidemment le quartz pour faire notre petite piscine. Ce sera bien plus sympa. Le quartz d'ailleurs qui va nous permettre de faire beaucoup de choses en fait là avec les mods peut-être. Bon, capteur de lumière, toujours sympa. Et c'est tout, hein. Voilà, niveau mode, il n'y a pas plus de nouveautés qu'on peut faire. Ah, peut-être avec les blocs de quartz finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les blocs de quartz? Des sols de cuisine. Voilà, un sol de cuisine. C'est absolument tout ce qu'on peut faire de modder. Eh, c'est déjà pas mal les gars, hein. C'est déjà pas mal. Bon, on récupère tout ce qu'on peut. Moi j'aime bien ça là. Je sais pas à quoi ça sert mais je vais récupérer moi ça. J'aime bien. Oula, attendez, on va pas descendre par là parce que si quelqu'un me pousse. Eh, ça me rappelle une de mes aventures, souvenez-vous. Bah quand j'avais fait une survie modée justement. La dernière survie modée que j'ai dû faire dans le Nether, il y avait des chiens. Ceux qui l'ont suivi les gars, il y avait des chiens. Des loups méchants qui m'attaquaient en permanence. C'était hardcore. Très dangereux, je pouvais rien faire. Là visiblement, il n'y a pas de chiens. Et ça c'est cool. Eh mais attendez, mais avec cette pioche, j'ai même pas besoin des lits. J'ai même pas besoin d'Eli pour miner de la netherite. J'ai juste à faire ça. Frère. En faisant ça je trouve de la netherite direct. Bon, je sais plus c'est à quelle couche. Il faut qu'on aille à une couche spécifique pour miner de la netherite. Donc ça c'est un truc opti. Du minage opti. Que je ferai d'ailleurs potentiellement en off. Là on est juste là pour explorer évidemment. Bonjour. Je sais plus c'est à quelle couche les gars. Vous pouvez me dire? Ouais, des fois je me crois en live, hein. Genre j'étais en train de regarder mon écran à droite en attendant que quelqu'un me réponde. Évidemment personne ne m'a répondu. Puisque c'est une vidéo. Mais voilà, si vous avez la réponse n'hésitez pas à me la partager en commentaire. C'est à quelle couche qu'on mine la netherite dans le nether. Oh, des stalagmites ou des stalactites. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Dragon Alpha, n'hésite pas. Bon bah écoutez, je vais redescendre puisque manifestement Oh là. Il y a des méchants là. Heureusement que j'ai une armure en or, hein. Là normalement ils devraient être gentils. Mais ils ont pas l'air de...
Hein? Ils sont gentils avec moi? Ils sont gentils. Tiens de l'or. What? Oh, je les ai tous excités, frérot. Oh, vous m'auriez vu. Merci, je me suis chié dessus. Bah, c'est quoi, on va faire du troc, les gars. Tenez de l'or. Non, mais ils font un de ces bruits, frérot. Vas-y, qu'est-ce que tu me donnes? Il m'a rien donné. Il m'a rien donné. Ils font un de ces boucans, frérot, c'est infernal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, merci. Par contre, j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer, hein. Merci, j'ai l'impression que je me suis fait chouraffe de l'or quand même là. Waouh, regardez, il y a des... C'est hallucinant. Bon, on est quand même plus en sécurité que dans l'ancien dans l'ancienne survie modée qu'on avait fait, hein. Donc ça, c'est pas mal. Flèche spectrale, d'accord. Bon, on va continuer de se balader. On va continuer de se balader. Bon, je suis vraiment pas non plus très serein, quoi, hein, mais je fais tout pour faire genre. Donc là, on a une petite structure. Enfin, structure. Y a pas de coffre, hein. C'est juste des sortes de stalactites, stalagmiques, tout ça, tout ça. Tout ce qui finit par vite. Ça, c'est du Feather Fern. Mais ça sert à rien, en fait. Je trouve ça nul. Enfin, c'est juste de la déco, bien sûr, mais je veux dire, on peut rien en faire, donc c'est bien dommage. On va continuer par là. Ok, oh, regardez, c'est mignon. Alors, ça, est-ce que c'est gentil ou méchant? Je dirais que c'est méchant. Ah! Ok, pourquoi pas? Non, mais. Ah oui, alors par contre, je suis éclaté au sol, rassurez-moi. Ah ouais, putain, frère. Donc ça, c'est gentil ou méchant, les méduses? On se croirait dans le code Lyoko, frérot, c'est indécent. Ah, je vais toucher le pigment, ce serait vraiment dommage. Il y a un rollback. Ah non, c'est bon. Ce serait vraiment dommage que je touche le pigman, hein. Bon. Alors, c'est gentil ou méchant, ça? Il y a un rollback? Non, il n'y a pas de rollback. J'ai envie d'essayer d'attaquer, mais j'ai peur que ça se transforme en ghast. En fait, c'est des bébés ghast. Je pense qu'à un moment donné, ça grandit. Bon, là, on a une sorte de portail. C'est amusant, ça. C'est de l'os. Je pense que c'est Vanilla, ça. Je suis vraiment pas serein. Je me chie dessus, les gars. Je sais pas où je suis, je comprends rien. Cet endroit ne sert à rien. Je crois qu'on va vraiment... J'ai envie de tuer le bébé ghast. Je vais essayer, les gars. Parce que je suis un fou. Voilà. Ok. Ça donne de la glowstone. Bon les gars, je pense sincèrement qu'il faut tuer les bébés ghast. C'est malheureux, hein. Mais en fait, je pense qu'ils se transforment en ghast. Je pense que c'est des bébés ghast en fait, hein. Concrètement, je vois pas d'autres explications. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un ghast qui a popé de nulle part d'ailleurs. Pas gaffe à pas miner l'or. Si je mine l'or, je suis mort. Oh, ça rime les gars. Si je mine l'or, je suis mort. Ça va être ma citation dans le livre. Je vais me créer une page M.Colo, je vais mettre cette citation. Bon, je me casse d'ici là, c'est bon. On en a assez vu. On va explorer d'un autre côté évidemment. Cela dit, c'est très joli. Très peu rassurant. Mais très joli, très coloré. Sachant que ça, c'est vraiment rien, hein, par rapport à tout le Nether, j'imagine. Toutes les modifications, toutes les nouveautés qu'il y a. Ok. Bon là, on peut se souvenir qu'il y a un ghast qui va spawner là, à mon avis, hein. Alors, on a des grands champignons. Tu fais quoi? Tu te calmes, hein. Tu m'agresses pas comme ça, hein. Ok. Oh merde! J'ai failli regarder un Enderman droit dans les yeux. Quel idiot. Ah, je suis vraiment... Désolé, je suis un peu moins divertissant, hein. Cet épisode-là, j'ai un peu le... Il fait chaud, quoi. Bonjour. Je vais à... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, un wither squelette dragon avec une queue. Je vois pas d'autre explication. Eh ben j'aime pas du tout. Ok.
Ok. Ça a l'air paisible. Paisible et effrayant. J'ai peur. Enderman. L'Enderman il me fait pas peur. Eh ça me fait race sa peur. Je sais même plus parler, voilà. Wow, c'est un jeu d'horreur là ou c'est Minecraft? C'est quoi ça? C'est de la Nazarek. Ok. C'est un logo ça. C'est un logo ce truc. Bon. What? Ok, il y a encore des trucs bizarres qui volent, frérot. Et là, je vous connais, les gars. Vous voulez que j'avance? Vous voulez que j'aille voir? Mais c'est pas pareil quand tu joues. Un squelette, rien de plus normal. Par contre, là, sur la sous-scène, c'est ultra dangereux là. Je vais me retrouver bloqué pour pas grand chose. Hein. Ah ouais. Bon, j'ai l'impression que ce genre de biome, c'est tranquille. Ok. Ok. J'ai presque mal au ventre. Vous me croirez pas, hein. Waouh. C'est le coronavirus? Ça, c'est le coronavirus, ça. Ouais, mais si j'y vais, j'ai peur que ce soit des vrais monstres. Oh là là, je sais pas, je suis parano, frère. Et je suis même pas manipulé par un autre. Maître Gims, ça jamais dans nos cœurs. Bon, là, ce serait dommage de tomber. Bon. Là, c'est du champignon. C'est mignon, hein. Mais c'est mignon, en fait. Bon, attendez, histoire de faire quelque chose quand même là, je vais récupérer le quartz que je vois ici. Hein? Voilà, toc. Eh, le voilà, toc, on l'a récupéré tous, hein. C'est, tout le monde le dit maintenant, c'est insupportable. Je peux pas m'en empêcher, c'est un type de langage maintenant. Et voilà, toc, n'est-ce pas? Et on dit merci, Mastu. Hein. Bon, on se casse. Hein? Chose qu'on peut aller voir. C'est sûr. C'est sûr. Ah là, si on avait un... une vraie structure à aller explorer, là, ça aurait été incroyable, mais... Ah là, je colle. Hein. Je vous le dis, je colle. Hein. J'ai envie d'aller voir le monstre en même temps, là. Vous savez, là, le... Avec sa queue, là. Il est où? Vous croyez qu'il est encore là-bas? Bonjour. Il était là tout à l'heure, il y est plus. C'est pas la meilleure idée d'aller chercher le conflit, quoi. Hein. Mais je sais que vous attendez qu'il se passe quelque chose. Donc moi, pour vous, je vais essayer de vous offrir du spectacle, quoi. Mais là, la Soul Sand, ça me fait chier un peu. Ça me fait un peu chier, la Soul Sand. Oh, punaise. Il y a un Stronghold. Un Stronghold, pas un Stronghold, un... Comment ça s'appelle? Une forteresse. On a trouvé une forteresse. Quelle chance, dites-moi. Quelle chance. Ce serait dommage de ne pas aller l'explorer. Hein? Ah là là, ce serait vraiment dommage. Eh ben, on va y aller. Hein? Tout simplement, voilà, on va faire un truc... Safe. Ok. Je mets des torches, ça me permet de me sentir en sécurité. Me jugez pas, d'accord? Ok. Ok. Oh lolo, il y a des bruits, frérot. Ah, il y a la braise, hein, c'est bien fait ça. Tu refais encore un achievement comme ça, je t'éclate la figure. Ok. Ça, c'est sympa comme truc.
En bas, il n'y a rien de spécial. Allez. C'est un escalier, ça, ou pas? Non. Allez! Partons à l'exploration et on va se faire exploser la gueule. J'ai assez de torches, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il va y avoir un screamer ou je sais pas quoi, un piège. Je sais pas pourquoi je le vois venir. Y a pas de méchant. C'est très louche. C'est très très louche. Ce coffre. Un diamant. Une épée nulle. Ok. Moi, je vais récupérer l'appel. Scooping. The shovel will deal one extra hurt of damage and a... Je prends, mais j'ai rien compris. Hop. Voilà, je fais un petit peu du troc. Parce que malheureusement, j'ai pas de la place illimitée. Il y a un squelette là-haut. J'entends des blazes. Je sais pas où ils sont, mais je les entends. Ils doivent pas être bien loin. Je vais descendre. Ok, je sais où sont les blazes. Ils sont là. Même pas. Attendez, j'ai entendu un bruit à ma droite. C'est un squelette normal. Ah, c'est pas un squelette normal! Ok, d'accord. Je m'excuse. Frérot! Ah là. Viens voir. Je l'ai tué? Ah non, je l'ai pas tué. Je me disais bien. Par contre, c'est abusé là ce que je suis en train de faire. J'aime bien. Ça, j'aime bien. Oh, magnifique. Eh. C'est abusé ce que je suis en train de faire. J'en ai rien à foutre. Ok. Imagine, il a looté une tête. Non. Il y a des wither squelettes partout, mec. J'ai jamais vu ça. Ok. J'essaye d'y aller zone par zone. Hein. Ok, bon, écoutez. Par ici, ça descend, donc je vais y aller. Ok. Un coffre. Ce qui est bien avec mon casque, c'est que comme dit, je vois à travers les murs les méchants. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça permet de pas trop se faire surprendre. Un peu quand même. Mais ça limite la casse. Déjà, ça me permettra de localiser les blazes. Augmente la vitesse, machin. Mais c'est trop nul, frère. Eh, franchement, les loots dans les coffres, ils sont pourris, frérot. Pourris. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Voilà, frérot. C'est ça qu'on veut voir. Eh, ça, on s'en fiche, clairement. Ça, ça sert à rien non plus. Et ça, on sait même pas à quoi ça sert. Et attendez, il y a un truc qui sert à rien, c'est ça, c'est le lapis, voilà, tout ça. Comme ça, je dégage un petit peu ce qui est nul. Alors que la glowstone, c'est vrai que j'aime bien. Et je peux même peut-être faire de l'économie de place comme ça, non? Pas du tout. Si je fais ça... Non. Non, bah j'ai pas... Je sais pas comment faire de l'économie de place, mais... C'est déjà pas mal, bon. Ah, un animal normal. Enfin, un animal, sacré animal, tu vas me dire. Hop. Bon, de la netherwart. Ah, la soul scène, j'en ai besoin pour faire des ascenseurs, tiens. Ça va me permettre de faire des ascenseurs par la suite. Avec l'eau et la soul scène et les magmas. Donc ça, c'est pas mal. Dans tous les cas, j'en aurais besoin. Parce que vous me connaissez, je suis pas très potion pour le coup. Donc la netherwart, je m'en fiche un peu. Mais dans tous les cas, ça me permettra de cultiver si j'en ai besoin. Donc c'est pas mal. Allez, on tient le coup. Ça va bien se passer. Attends, on va faire à gauche parce qu'à gauche, à mon avis, il n'y a rien. Voilà, comme ça, c'est fait. On va faire à droite. Ça va aller, les amis. C'est bon, là, je me suis mis de nouveau dans le bain. Toi, t'es gentil. Normalement, il y a un wither qui m'attend. Eh ben, il s'est barré, le salaud. Il me prépare une mauvaise surprise. Hein? Wesh. C'est quoi, ce labyrinthe? Ah ben... Il a disparu, il est tombé dans le vide. Bon bah c'est pas plus mal. Très bizarre un peu là ce tronc. Enfin cette forteresse là. Elle est chelou hein. Je sais pas comment vous voyez la chose, mais moi je trouve ça très chelou. Bon, j'ai encore assez de torches. Ok.
Attendez, je vais monter. Ouais, en haut par contre. Allez, à droite. Oh là là. On va commencer à gauche. Ah oui, là c'est gigantesque. Oh, il est colossal ce truc. Ok, il m'a fait peur lui. J'essaie de jeter un petit coup d'œil hein, pour. Là il y a du blaze là. Là il y a un spawner à blaze, comme ça je le sais. Pour le moment ça me sert à rien. Oh les bruits d'ambiance frérot. Oh, j'aime pas du tout. Rattrape-moi si tu peux. Ah. Eh bâtard. Mais ils abandonnent très vite on dirait. J'espère juste qu'il n'y en a pas un à droite. Ok. Eh, si je peux avoir une tête, c'est stylé. Ok. Safe. Pas safe. Bon. Ok. Ça, c'est nice. Franchement, l'or... Bah si, pour faire du troc sur le chemin du retour, ça peut être sympa. L'obsidienne pleureuse, j'en ai pas besoin, je crois. Bon, j'en ai déjà à la maison, de toute façon. J'en ai déjà à la maison. Bonjour. Ouais, attendez, on va suivre les chemins. Hein. Soyons malins. Ah, c'est moche. On peut pas y aller. Qu'est-ce que c'est dommage. Ah, ça m'embête, hein. Ah ouais, mais ça continue de ouf, hein. Oh bon. C'est pas tout ça, mais c'est bien la merde. Allez, maintenant, on va passer par là. On va à gauche. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qui va se perdre? C'est Bibi. Ok. Ça mène à nulle part, quel dommage. Et là non plus. Ah, c'est vraiment dommage. What? Oh là là là, il y a du... Il y a de la structure là, mon pote. Hein. Oh là là, il y a de la structure à aller explorer. Hein. Alors voilà. Ah, attendez. Parce que là, on rigole, on rigole. Il y a du minerai là. Du minerai qui a pas l'air de se récupérer. Ah, fallait peut-être une pioche en... Une pioche spéciale, genre une pioche en... En netherite par exemple. Ah, si vous saviez ce que c'était comme minerai les gars. Ah, je veux bien que vous me le fassiez savoir. Bon, on continue, on est là pour ça. Oh ta mère la pute, ta mère la... Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah mais il me suit l'autre en plus What? C'est quoi cette... Attendez. Ah! Bon, je l'ai fumé lui. Ok, lui je peux pas lui envoyer de flèche hein. Il a des boucliers hein. Oh la vache. Non. No way. Ok, oh. Ah non, je crois qu'il y avait quelque chose. J'aimerais bien me le faire mais je peux pas me le faire à l'arc. Aïe 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 aïe. Frère lui si j'y vais au contact on dirait un pingouin. Bon allez. Je vois pas comment je vais pouvoir faire pour y aller au contact hein. Ah. Ah.
C'est gigantesque. J'essaie de contourner, hein. Ah, bâtard. Il est trop intelligent. Il est trop intelligent. Ha ha. Ok. Maintenant, comment j'accède à la structure? That's a good question. Attendez. Parce qu'il s'avère qu'il y a un squelette juste ici. Voilà. La structure. Ok. Je vais faire un escalier qui descend. On vient de me tirer dessus. Oh d'accord, il y a un blaze là-bas. Rien de bien méchant. Je m'enferme les gars, je me chie dessus. Je sais pas si vous sentez la tension que j'éprouve, mais je suis tendu. J'ai tellement peur. Tu sais quoi, limite c'est trop bizarre parce que j'ai même pas peur de mourir en soi. Enfin, ça me ferait chier en vrai. Mais c'est bizarre la sensation que j'ai. Où c'est que j'ai vu la structure là? C'est de là que j'ai vu la structure, non? Ah, je triche un peu parce que c'est pas de la triche, mais je veux dire, j'essaie de d'aller au bâtiment qu'on a vu là. Il y a une sorte de bâtiment. Enfin, il y avait des fenêtres. Hein? Heureusement que cette pioche elle casse vite. Hein. Bah, c'est pas ici, frérot. Hein. C'est pas ici, c'est trop bizarre. Bon, écoutez. On aura exploré le nether. Hein. Ouais. Là, l'idéal, de toute façon, c'est que je mine de la netherite. Alors, vraiment, moi je vais miner au petit. Hein, dans tous les cas, je vais pas me faire chier. Hein. À partir de mon portail, je vais descendre en bas. Je vais miner au petit. Vous me dites la couche à laquelle je dois miner la netherite. Et puis, c'est pesé à emballer. Hein. Ah, il est là-bas le salaud là. Ah, voilà. Pas facile, facile. Moi, ça me fait très peur, les gars. Voilà, je vous le dis, il y a des éléments que j'ai pas encore tout à fait acquiescé, on va dire. J'ai pas tout à fait compris. C'est quoi, les Wither squelettes, ils me font même moins peur maintenant. Bon, déjà, en 3 flèches, ils sont morts. Ça, c'est pas mal. Attendez, j'essaie de voir parce que c'était là que j'avais vu la... J'entends des chuchotements dans mes oreilles, merde. Ah bah regardez, c'est juste à côté. C'est juste à côté que j'ai cassé là. Bon. Moi je vois un... J'avais vu un coffre tout à l'heure. Je vois plus de coffre. Bon. Ça ne m'inspire absolument aucune confiance. Déjà là pour rentrer, comment je vais faire frérot? Le portail il est pas loin mais Ah ouais mais il y a de... C'est une torche ou c'est du feu ça? Oh putain. 3-6. Saucisse. Attendez les gars. J'ai pas dit mon dernier mot, j'y retourne. Juste pour aller voir la structure. Ça m'intrigue trop. Ah bah putain, elle est là la structure, espèce de débile. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, non mais là-dedans ça rôde hein. Ah ouais. Là-dedans ça rôde. Ah! Ok, bon bref, allez. Ramenez Mkolo à la maison. Ah, ça pue la merde. Ça pue, je suis désolé. J'espère que je vous déçois pas, mais pour le moment, ça va être complexe.
Pour le moment, ça va être complexe. Et je complexe avec ça, d'ailleurs. Donc, là, je vais simplement rentrer. De toute façon, là, au moins, c'est safe. Normalement. Ouais, le chemin est safe. Donc ça, c'est très, très bon à savoir. Grâce à mes torches, bien sûr. C'est safe, comme ça, on peut y aller n'importe quand on veut. Quand on le sentira, quand on sera stuff, tout ça. Et puis voilà. Ta gueule. Non, mais frérot, regardez. C'est exagéré, ça, quand même. Attendez, je me fais une petite protection, quand même. Voilà. C'est un petit peu exagéré, ça. Qu'en pensez-vous? Est-ce que j'essaye de faire un truc de... Oh. Oh, mais c'est stylé, ça. Je sais pas si ça avait droppé quelque chose, mais... Bon, ma foi. Allez. Oula. Ah non, j'avais oublié les ghasts. J'avais oublié les ghasts. Oh là, regardez. Il y en a partout, des trucs comme ça. Mais je sais pas si c'est gentil ou méchant. Mais je sais qu'en une flèche, c'est fini. En fait, faut pas que je tape ça à l'épée, dans tous les cas. Je pense que c'est un piège. Est-ce que je peux récupérer un loot? J'ai pas... Ouais, regardez, c'est... En fait, c'est un piège, c'est que... Maintenant on le sait, tu vois, heureusement. Mais en fait c'est genre tu tapes à l'épée et du coup ça te fait un trou en dessous de toi et tu tombes dans la lave et t'es mort. Mais ouais, c'est ça. Donc ça sert à rien, c'est juste pour nous mettre dans la sauce. Donc c'est bon, heureusement que j'ai découvert ça. Heureusement que je suis quelqu'un d'intelligent. Bonjour monsieur, j'ai de l'or. Monsieur? Ah, j'ai une forteresse juste à côté du portail, ça c'est vraiment bueno quoi. Attendez, qu'est-ce que je peux jeter là? Ah voilà. Brique du Nether, ah oui, mais on s'en fout. Ouais, vous me faites peur. Ils me font peur, c'est un truc de malade. Ok, nul à chier. Nul à chier. Oh merde. Oh merde. Oh putain, je suis un crack. L'alarme de ghast. Vous croyez que je peux l'avoir? Ah non, à mon avis. Ouais, non. Dommage. Bon, les gars, on est rentré en entier. Je sais pas comment. Frérot, ça me fait peur. Je suis désolé. J'espère que je vous ai pas déçu. Voilà, j'ai l'impression que je suis pas un vrai joueur Minecraft. Et j'en suis désolé. Bon, les gars. Wow. Je vais miner en off, de toute façon, récupérer peut-être un peu de diamant. Bah non, en fait, j'ai déjà du diamant, frérot. Bah là, c'est pas mal. Bon, je vais ranger tout ça, hein, les gars. Et puis, ouais, miner en off de la netherite, quoi. Je vais me faire des galeries safe et tout, parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Bref, les gars, moi, je suis preneur de toutes vos astuces, tous vos commentaires. Je vais d'ailleurs, avec le miel, réparer les barrières pour que les barrières, en gros, ne soient plus rouges, comme ça. Regardez, c'est en shader, comme c'est joli. C'est joli. Oh là, il y a déjà des monstres. Bref, les amis, je vous fais plein de bisous, je vous kiffe. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager, parce que vraiment, ça me fait flipper. Et puis, voilà quoi, mais c'est moi, la luminosité, elle a un truc bizarre, là. Luminosité 100%, mais non, on dirait que la luminosité, elle est... C'est très bizarre ce qui se passe. Ah, mais le soleil se lève, d'accord, ok. Très bizarre. Allez, à très vite. Ciao tout le monde.